Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à évaluer la dépendance d'une variable qualitative à une autre variable qualitative. Nous utiliserons pour cela le test d'indépendance du chi2. À cette fin, nous verrons comment calculer la statistique du chi2 en fonction de nos données et conclure selon le résultat obtenu à la dépendance ou bien à l'indépendance des deux variables étudiées. L'exemple proposé pour illustrer ce concept concerne deux traitements disponibles contre une certaine maladie M qui sévit en Europe occidentale. On souhaite évaluer si la nature du traitement influe sur la guérison des personnes ayant contracté cette maladie. L'équipe médicale d'un hôpital a étudié les statistiques concernant les 281 personnes affectées par cette maladie qui ont été accueillies au cours du dernier trimestre. Sur les 173 malades qui ont reçu le traitement TRA, 139 ont été guéris au bout de 5 jours, et sur les 108 malades qui ont reçu TRB, 98 ont été guéris au bout de 5 jours. La question que l'on se pose est La guérison au bout de 5 jours est-elle liée à la nature du traitement reçu Nous allons pouvoir répondre à la question posée en réalisant un test d'indépendance du QI2. Ce test s'applique à partir d'un tableau de contingence dans lequel on croise les deux variables qualitatives nominales ou catégorielles, état du patient au bout de 5 jours, qui a deux modalités, guéri et non guéri, et nature du traitement reçu, dont les deux modalités sont TRA et TRB. La première étape du test va consister à définir l'hypothèse nulle H0 qui est ⁇ La guérison au bout de 5 jours de la maladie ne dépend pas du traitement suivi ⁇ C'est l'hypothèse d'indépendance que nous allons tester et que l'on cherche à rejeter au profit de l'hypothèse alternative H1 qui est quant à elle ⁇ La guérison au bout de 5 jours dépend du traitement suivi ⁇ C'est-à-dire que les deux variables sont liées ou dépendantes. Il faut se rappeler que dans un test d'indépendance, c'est le rejet de l'hypothèse nulle qui permet de mettre en évidence une liaison entre les deux variables qualitatives. La deuxième étape du test va être consacrée à la réalisation d'un tableau de contingence dans lequel on croise les modalités prises par les deux variables qualitatives. Nous voyons ainsi, dans ce tableau, les deux variables qui sont mises l'une en colonne l'état à l'issue de 5 jours de traitement, guéri, non guéri, la variable dépendante, et l'autre en ligne, le traitement reçu, TRA ou TRB, la variable indépendante. Il suffit de croiser les modalités de ces deux variables afin de présenter les effectifs observés, ce qui donne 139 personnes guéries pour le traitement TRA et 98 pour le traitement TRB. Comme il y a 173 personnes qui ont reçu le traitement TRA, on en déduit donc un effectif observé de 34 personnes qui ne sont pas guéries alors qu'elles ont reçu le traitement TRA. De la même façon, sur les 108 personnes qui ont reçu le traitement TRB, il reste 10 personnes qui n'ont pas été guéries. Nous avons fait figurer dans ce tableau les sommes marginales par colonne, mais également les sommes marginales par ligne. La somme 237 correspond ainsi au nombre total de personnes guéries, quel que soit le traitement reçu. Bien sûr, la quantité 44 correspond quant à elle au nombre de personnes qui ne sont pas guéries au bout de 5 jours, quel que soit le traitement qu'elles ont reçu. L'effectif total de 281 s'obtient en sommant les deux sommes marginales par colonne ou bien les deux sommes marginales par ligne. Nous pouvons dès lors ajouter sur ce tableau de contingence l'information des fréquences calculées FJ, c'est-à-dire attendues sous l'hypothèse nulle H0 à partir des effectifs observés que l'on désigne ici par OIJ. I représentant l'indice de la modalité prise par la première variable et J désignant l'indice de la modalité prise par la deuxième variable. Sous l'hypothèse nulle d'indépendance, nous avons une proportion de guéris correspondant aux 237 personnes sur les 281 qui ont reçu l'un ou l'autre traitement. Il reste 44 personnes non guéries parmi ces 281 personnes. Les fréquences attendues sous l'hypothèse nulle sont donc 237 sur 281 égale 0,843, que j'ai mise entre parenthèses, et 44 sur 281, c'est-à-dire 0,157. Pour la suite, nous allons faire un peu de place dans ce tableau pour y introduire les résultats du calcul des effectifs attendus sous l'hypothèse nulle, en commençant tout d'abord par les fréquences SOH0 que je fais figurer dans des cases du tableau qui font face aux effectifs observés. Nous retrouverons donc pour l'effectif observé des personnes guéries par le traitement A 139, la fréquence étant attendue de 237 sur 281 sous l'hypothèse nulle d'indépendance. Nous faisons la même chose pour les 98 personnes observées qui ont été guéries par le traitement B, pour lesquelles la fréquence attendue sous l'hypothèse nulle est de 237 sur 281 en cas d'indépendance. Les fréquences sous H0 apparaissent également en face des effectifs observés pour les personnes non guéries par le traitement A ou par le traitement B, c'est-à-dire 44 sur 281 dans les deux cas. Il ne reste plus qu'à faire figurer dans ce tableau les effectifs attendus sous l'hypothèse nulle d'indépendance, notés ici CIJ. La lettre C évoquant le fait qu'ils sont calculés. Plus précisément, calculés à partir des données des fréquences que nous venons de placer dans le tableau. Pour obtenir sous l'hypothèse nulle d'indépendance H0 l'effectif attendu C11 des personnes qui sont guéries grâce au traitement A, il suffit de multiplier le nombre de personnes qui ont reçu le traitement A, c'est-à-dire 173, par la fréquence de guérison attendue sous l'hypothèse nulle, c'est-à-dire 237 sur 281, ce qui fait 173 fois 237 divisé par 281, dont le résultat est 145,91. Nous procédons de la même façon pour chacun des effectifs attendus sous l'hypothèse nulle. Par exemple, pour les personnes qui sont guéries par le traitement B, nous devons nous attendre à 108, nombre total de personnes ayant reçu le traitement B, multiplié par la fréquence des personnes guéries sous l'hypothèse d'indépendance, c'est-à-dire 237 sur 281, ce qui donne 91,09. Comme vous l'avez constaté, on garde au moins deux décimales pour les valeurs prédites, qui sont des valeurs théoriques, afin d'éviter les erreurs d'évaluation du qui-deux observé. Notre tableau est désormais complet. La valeur de la statistique du QI2 recherchée est obtenue à partir de la somme des différences entre les CIJ moins les OIJ élevées au carré, divisées par les CIJ. Si nous nous intéressons à la première contribution au QI2 global, la valeur 0,33 rend compte de la différence 139 moins 145,91 élevée au carré, puis divisée par 145,91. Chacune des contributions peut. Être ainsi figuré dans ce tableau. La plus grande étant celle qui concerne les personnes non guéries qui ont reçu le traitement B qui vaut 2,82. C'est donc à cet endroit que les différences sont les plus significatives. Lorsque nous sommons toutes ces contributions, nous obtenons la valeur qui figure en bas du tableau, c'est-à-dire une statistique qui de OPS globale de 5,44. Alors maintenant que nous avons toutes ces valeurs, nous pouvons passer à la détermination du nombre de degrés de liberté qui interviennent dans cette étude. En fait, il y a ici 2 moins 1 multiplié par 2 moins 1, c'est-à-dire 1 degré de liberté. On considère effectivement qu'il y a 4 classes au départ, moins 3 relations liant les données. Par exemple, la somme totale, ou la somme des personnes qui ont reçu le traitement A, ou bien encore la somme des personnes qui sont malades. Donc, on peut retenir que dans un tel tableau, le nombre de degrés de liberté, c'est le nombre de modalités moins 1 de la variable dépendante multiplié par le nombre de modalités moins 1 de la variable indépendante, c'est-à-dire le nombre de colonnes moins 1 multiplié par le nombre de lignes moins 1. Nous pouvons dès lors déterminer la valeur de la p-value ou degré de signification en utilisant le logiciel R ou bien XL ou tout simplement en consultant une table des valeurs critiques de la loi du QI2. J'ai fait figurer ici une table du qui 2 où chaque ligne est associée à une loi échantillonnée pour différents degrés de liberté. Nous devons dans un premier temps rechercher la valeur critique de la variable qui 2 ou valeur du qui 2 seuil correspondant à une erreur standard de 5% souvent désignée par la lettre grecque alpha. Comme la loi à considérer dans notre exemple est à 1 degré de liberté, nous nous reportons la ligne à 1 degré de liberté et à la colonne qui correspond à une erreur standard de 5%, soit 0,050. À l'intersection de la ligne 1 et de la colonne 0,050, nous trouvons la valeur 3,841, qui constitue la valeur seuil du chi2, qui ne doit pas être dépassée pour ne pas rejeter l'hypothèse nulle. Nous pouvons par ailleurs rechercher la probabilité associée à la valeur du critère chi2ops. Que nous venons de calculer à partir du tableau de contingence. Nous trouvons que chi de Hops qui vaut 5,44 est encadré par les deux valeurs qui sur la ligne à 1 degré de liberté sont 5,124 et 6,635. La probabilité P-value correspond donc à une valeur comprise entre les deux affichages des entêtes des colonnes correspondantes, c'est-à-dire 1% et 2,5%. Il est maintenant temps de conclure. Étant donné que le qui 2 calculé est supérieur au qui 2 seuil pour alpha égale 5%, ou ce qui revient au même que la p-value est inférieure à 5%, on peut rejeter l'hypothèse nulle et conclure que le taux de guérison est significativement différent pour les deux traitements. Puisque nous avons vu que la p-value était comprise entre 1 et 2,5% à la lecture de la table du QI2 en cas d'indépendance, il y aurait moins de 2,5% de chances d'obtenir de telles différences entre les résultats des deux traitements par le hasard, ce qui est très peu probable. On rejette donc l'hypothèse nulle sans grand risque. En conséquence, on peut considérer que la variable guérison au bout de 5 jours est statistiquement liée à la variable traitement reçu. Ou que la nature du traitement reçu par le patient influe sur la guérison au bout de 5 jours. La valeur de la p-value correspond à environ 2% de chance de se tromper. Et bien voilà, le test d'indépendance du QI2 n'a plus de secret pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'aurai plaisir à vous retrouver dans d'autres vidéos qui seront dédiées à d'autres exemples de tests du QI2.